endroit que vous allez investir, c'est cette fameuse église de Saint-Stéphane. La première idée, c'était quoi ? Quoi, le lieu dit d'être dans une église comme ça, qui est quand même baroque, qui est très chargée comme ça, au niveau de son architecture et tout, bah, pose des questions avant tout un peu d'ordre formel, quoi, de qu'est-ce qu'on va y faire, quoi, et qu'est-ce qui a déjà été fait dedans. Quoi. Donc moi j'ai fait une première visite à Sant'Stae et en fait une des grosses contraintes c'est qu'il y a une tombe qui est au milieu de la nef. Quoi. La contrainte était de devoir protéger cette tombe d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que le public ne puisse pas marcher sur cette tombe. Donc moi, mon premier projet, en fait, ça a été de me dire, je prends la tombe comme étant le sujet central, en fait, de la pièce. Quoi. Ce qui après m'a causé des problèmes avec l'église, etc. Parce que c'était trop en vue sur la tombe, etc. Et ils ont pris ça un peu pour un acte blasphématoire. C'était quoi ? C'était une structure Non, j'avais fait une énorme chèvre, quoi, une énorme structure au-dessus de la tombe, avec quoi qui était un système d'extraction, quoi, comme si on allait ouvrir la tombe. Et ça, je crois que ça a fait très très peur au curé. Quoi. Et là, tout de suite, on vous a dit non, pas ça. Ouais, on m'a pas vraiment dit non, mais on m'a suffisamment dit que j'allais avoir les bâtons dans les roues, que je devrais changer de titre, que je devrais pas mettre ci, pas mettre ça, etc. Donc, rentrer franchement dans des espèces de compromis. Pour l'Office fédéral de la culture, ils m'ont donné réellement une carte blanche. Quoi. Mais, non, là, c'est vraiment alors, suite à Pipilotti, justement, qu'il y a quelqu'un de l'Église qui contrôle en fait les projets. Quoi. Vous balayez tout et vous partez sur une autre ouais, idée. Ouais, pour pas rentrer dans le compromis. Quoi. D'accord. Et l'idée finale, en fait, le projet, il est devant nous. Voilà, ouais. Bon, il y en a eu un intermédiaire, etc., mais qui a été bloqué par une femme des monuments et sites, quoi. Ah oui, c'est... Ben, parce que... Non, alors là, pour une simple question de format, parce que c'était trop grand et qu'on ne voyait plus l'église. Okay. Donc je suis encore rentré dans un troisième projet. L'église, elle, c'est plus vraiment une église, c'est un lieu d'art contemporain, quoi, pour un moment, quoi. Donc elle est déjà plus dans sa réelle fonction, quoi. Donc je suis reparti de cette idée-là en me disant que l'église, souvent en temps de crise, social ou naturel, quoi. Tout d'un coup devenait un espace commun, quoi, où c'était plus le culte de l'Église qui était important, mais la gestion de la crise. Ouais. Je me suis dit, je fais un économa. Et l'économa, comme ça, c'est pas un magasin, c'est pas un dépôt, quoi. C'est quelque chose qui est de la gestion de l'économie et de la gestion des ressources matérielles dans une institution. Vous avez avec l'art baroque en général ? Aucun. Aucun. Dans votre... fort intérieur. Oui, c'est ça, dans votre formation en fait, artistique, le baroque n'a joué aucun rôle. Non, absolument aucun. Non, mais ça, justement, moi, je le laisse libre. Je pense que c'est plus... Quoi, pour moi, il m'a semblé que c'était plus fort de laisser ça aux soins de l'imagination du public. Mm-hmm.